Le célèbre chroniqueur Anaconda, de son vrai nom Adams Diallo, est décédé. Le groupe RTI, La 3 et le showbiz ivoirien sont en deuil. Le célèbre chroniqueur Anaconda, de l'émission polémique People & Mic, n'est plus de ce monde. La mauvaise nouvelle a été annoncée hier samedi 6 janvier sur plusieurs plateformes sur la toile. Mais beaucoup de questions se posent au sujet de sa mort. Qu'est-ce qui a causé sa mort? Quelle maladie l'a emporté? Est-ce qu'il est aussi passé par la même route que ses confrères africains comme Didji Arafa ou Kabrel Nanji? Restez jusqu'à la fin pour en savoir plus sur cette situation qui a rendu tout le monde triste. Mais avant, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être toujours informé de tout ce qui se passe en Afrique. C'est un véritable coup dur pour tous les nombreux téléspectateurs de l'émission People & Mic sur la 3 du groupe RTI. C'est sur les réseaux sociaux que la triste nouvelle s'est répandue hier samedi 6 janvier comme une traînée de poudre. Malade et absent à l'antenne depuis un moment, le célèbre chroniqueur ivoirien avec ses questions pertinentes, Adams Diallo, plus connu sous le pseudonyme Anaconda, est décédé en France. Les circonstances de la disparition brusque de l'ancien animateur de l'émission à succès « Fafa » sur la chaîne privée Ivoire Music TV sont dues à un problème cardiaque. Avant la mauvaise nouvelle, une rumeur de départ avait été annoncée sur la toile. Pour clouer le bec aux mauvaises langues, Anaconda avait fait une apparition par appel WhatsApp au cours d'un numéro de l'émission à polémique animée par Marie-Dominique, pour rassurer tous ses admirateurs. Malgré cette stratégie qu'il a utilisée pour remonter ses fans, la maladie ne l'est pas laissé indifférent. On retient présentement que notre cher frère africain nous a quittés à cause d'un problème cardiaque. Il faut noter qu'il était actif sur les réseaux sociaux, partageant des blagues et interagissant avec ses fans. Sa disparition soudaine laisse un vide dans l'industrie du divertissement, et ses collègues, amis et fans pleurent la perte d'une personnalité chère. Anaconda était non seulement apprécié pour son talent d'animateur, mais aussi pour sa personnalité chaleureuse et sa capacité à rassembler les gens. Ses publications récentes sur les réseaux sociaux reflétaient son amour pour l'art et son soutien à d'autres artistes, témoignant de son engagement envers la scène culturelle. Nous, communauté de la chaîne Amour Naturel, exprimons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues d'Anaconda. Son impact positif sur le monde du divertissement restera gravé dans nos mémoires. Et il continuera d'être célébré pour les joies qu'il a apportées à un public vaste et diversifié. Repose en paix. Chers abonnés, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.